Les transporteurs de la région du Gault et du Lodibois sensibilisés à la sécurité routière. La Côte d'Ivoire vise à transformer 50% de sa production de noix de cajou d'ici 2030. Et à Mans, renforcement de capacité pour les agents de la direction régionale des eaux et forêts. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Après San Pedro et Soubré, cap est mis sur la région du Gault et du Lodibois pour la suite de la caravane de la sécurité routière. Pour une participation de proximité plus efficace, l'arrêté portant création des comités locaux a été remis au préfet et celui de la région du Gault a été installé par la délégation du ministère du Transport. À cette occasion, les membres ont reçu leur parchemin. Sur ces missions-là, je voulais rassurer le gouvernement de ce que dans la région du Gault, plus particulièrement dans le département de Gagnoa, nous prenons toutes les dispositions. Nous devons servir de relais à cette politique nationale en termes de sensibilisation. Nous devons servir de relais auprès des populations, auprès des transporteurs, pour que, comme je l'ai dit, sur nos routes, il y ait la vie et non la mort. La caravane s'est achevée dans la ville de Divo après des échanges avec les transporteurs locaux. C'est un bilan positif qui en ressort selon les chefs de délégation de cette caravane. Au cours donc de ces étapes, nous avons eu à sensibiliser les populations sur le respect des règles de circulation, sur les bons comportements, le civisme sur la route pour nous éviter des drames que nous avons connus par le passé, pour faire en sorte que la sécurité routière soit de mise, surtout en cette période des fêtes où il va y avoir beaucoup de déplacements sur les routes. Rappelons que la semaine de la sécurité routière, c'est du 3 au 10 de chaque mois. L'objectif est de sensibiliser sur les bons comportements à adopter sur les routes en vue de réduire les accidents. Premier producteur mondial d'anacarde, la Côte d'Ivoire ne transforme que 22% de sa production. Pour pallier ce problème, des équipements ont été construits par des professionnels ivoiriens, comme cette machine de la Société des travaux d'ingénierie et de consultance. C'est une machine qui a une capacité de 5000 tonnes par an. Elle a une commande centralisée et on peut même voir tous les paramètres de cette usine. Les matériaux utilisés sont solides. Nous sommes en Côte d'Ivoire, donc évidemment, il y a une disponibilité des pieds de rechange. La maintenance est rassurée et donc maintenant nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire peut penser et peut maintenant transformer sa matière première, sa noix de cajou, avec nos solutions que nous venons de mettre en place. Le CIETA a pour objectif de contribuer à l'accroissement du taux de transformation dans les pays producteurs d'anacarde en créant des conditions d'accessibilité des investisseurs nationaux et internationaux aux équipements et aux technologies de la transformation. Nous avons une chaîne de transformation complète made in Côte d'Ivoire. Il est important pour la Côte d'Ivoire qui aspire à transformer sa production d'accompagner cette transformation par toutes les mesures structurelles. Et parmi les mesures structurelles, donc la production d'équipements locaux est une des stratégies qui va impacter sur le long terme. Notons que le secteur de l'anacarde réalise un chiffre d'affaires de plus de 600 milliards de francs CFA par an. La filière génère un revenu annuel de plus de 300 milliards de francs CFA. Comptable de formation, Nicole s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a peu. La cinquantaine, elle a décidé de commercialiser la poudre et le beurre de cacao. À 54 ans, pour elle, l'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour l'entrepreneuriat. Même à 80 ans, on peut entreprendre. Tout dépend de la passion qu'on a pour ce qu'on entreprend. Une idée partagée par Kwame Tinan qui s'est mise à la couture. Cette trentenaire confectionne des sacs et accessoires avec du pagne africain ou encore du kita. J'utilise le pagne parce que c'est notre identité culturelle, à nous les Africains. On a pour habitude de consommer les choses venant de l'extérieur et tout. Il est temps maintenant qu'on consomme ce qui vient de chez nous. Pour cette troisième édition de Osons, ils étaient une trentaine d'entrepreneurs à présenter leurs produits. Tous ceux qui hésitent à se mettre à l'entrepreneuriat, j'ai un seul mot. N'ayez pas peur, n'hésitez plus. Lancez-vous, ce sont les risques qui font la différence et il n'y a pas meilleure joie que d'être à son propre compte, de créer des richesses et de faire plaisir à certaines familles. Même si tu as une activité que tu veux d'autres revenus pour compléter, tu peux te mettre à l'entrepreneuriat. Donc on encourage juste ces personnes qui sentent, qui ont la fibre de l'entrepreneuriat à s'y mettre. Ce salon est destiné aux entrepreneurs. Il se tient tous les derniers samedis du mois.
Et pour finir, la direction régionale des eaux et forêts du Tonkpi entend être au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication. À cet effet, elle a organisé à l'attention de ses agents une formation sur le thème « L'utilisation du GPS dans les activités du forestier ». Premier responsable de ce département dans la région, le lieutenant-colonel Jean-Yapo Evariste donne les motivations de cette formation. Permettre à nos agents, à nos collaborateurs d'être plus opérationnels, plus efficaces sur le terrain dans la réalisation des activités, notamment les activités d'évaluation de dégâts, de constat de dégâts, mais surtout dans la mise en œuvre de la réforme que nous avons appelée la réforme Ibodoro. Désormais, vous savez qu'il est important pour nous de suivre de façon en temps réel par les coordonnées GPS les sources d'arbres abattus, les arbres abattus sur les périmètres. À travers les coordonnées GPS, nous pouvons, depuis notre position, savoir si effectivement les essences abattues, les arbres abattus correspondent à la réalité du terrain. Une formation venue à point nommé selon les participants. Ce que j'ai pu retenir de cette formation, c'est que cette formation désormais nous permet, lorsque nous sommes en activité ou nous sommes en mission au niveau de nos forêts ou de nos zones d'intervention, à savoir lorsque nous allons pour contrôler l'exploitation forestière dans nos zones, de pouvoir prendre des décisions très courageuses, à savoir si les exploitants sont hors de leur zone ou bien sont dans leur zone. Ou si les bois coupés ne sont pas dans leur zone, ça nous permet de pouvoir avoir toutes ces informations-là. Bon, avant je connaissais le GPS, mais je n'ai jamais étudié. Je ne sais même pas comment il faut allumer, ni même utiliser. Et cette formation est bienvenue parce qu'aujourd'hui, je sais comment il faut utiliser le GPS. Même faire les tracés, prendre les données aussi. La formation est bienvenue, mais il ne faut pas qu'on laisse cette formation dans les oubliettes. Il faut que ça soit accompagné de supports et qu'à chaque fois, on étudie. Présent pour donner sa caution morale et administrative, le secrétaire général de la préfecture de Mans se réjouit de l'initiative. Je pense que l'État a bien voulu mettre à disposition des moyens, n'est-ce pas, des nouveaux moyens tech et qu'on appelle technologiques, à l'effet de permettre aux agents, n'est-ce pas, donc, de mener à bien leur activité. On ne cessera jamais de le dire, la protection de la couverture forestière est très importante donc pour la santé, n'est-ce pas, donc, de la population, et pour le bien-être, n'est-ce pas, de l'ensemble de la population de la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc les encourager, n'est-ce pas, donc, à aller tout dans ce sens-là et souhaiter à chacune, à chacun, n'est-ce pas, une bonne chance de formation et d'information. Plusieurs autres formations sont prévues à l'attention des hommes du ministre Tchagba Laurent pour une protection efficace de la forêt dans le Tonkpi. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Cette Info.